Lorsque l'on est mousquetaire, un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. À une semaine et demie du grand steeplechase de Paris, Francir vous emmène dans les coulisses de la préparation à la Morlaix chez David Quentin à la rencontre de ces trois mousquetaires. Il y a d'abord le Berry, il y a aussi Ajas et Général en chef. Évidemment, il y a du stress. Hein. Mais c'est vrai que jusqu'au 23, c'est beaucoup de stress. Quand je me suis installé, je ne pensais pas avoir trois chevaux qu'on a formés en plus, qui sont arrivés, qui ne sont pas passés chez des confrères avant d'arriver dans l'écurie. Donc on va essayer de les amener au top pour le jour J, les trois, et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le Berry, il est très, très étonnant. Enfin, il a montré toute sa classe l'année dernière, mais ce qu'il a fait dans le 1 gré, c'est pas commun. D'aller chercher un tel cheval comme Fofelet après une telle faute si près du but, c'est pas évident. Et lui, il l'a fait. Il a eu un bon comportement pour sa rentrée, une rentrée facile. Il s'est mis de lui-même à son boulot le matin. On n'a rien changé. Le cheval, il est sur la montante. Voilà, faut pas oublier que dans le 1 gré, il n'arrivait qu'avec une seule course dans les jambes, mais une course qui était peut-être un poil trop facile pour sa rentrée, et il arrivait peut-être trop détendu. Mais là, il est sur la montante et il est vraiment très bien. Bah, là, c'est vrai qu'il est sur la montante depuis l'automne dernier. Il n'arrête pas de progresser et à chacune de ses courses, il étonne tout le monde. Mais même le matin, il est dans un magnifique état. Il est mentalement, il est au top. Il arrive sur ce grand steep vraiment gonflé et avec un moral d'acier. Et, bah, franchement, le cheval, il est en plein boom. Après avoir discuté avec son propriétaire, qui m'a suggéré Rachel, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Enfin, voilà, elle est très douée, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Général en chef, il est en pleine forme. Il a fait une super rentrée, très sage à l'arrière-garde. Et il a fait une belle ligne droite. La dernière fois, il a fait une démonstration et il a pris la tête à un tour de l'arrivée et il n'a jamais molli. Depuis le début de l'année, il est parfait, il a fait un passage à la campagne. Et il est arrivé à Chantilly mi-février. Il est beaucoup plus serein dans sa tête. Avant les courses, il est toujours un peu excité, mais il ne se met plus en écume comme l'année dernière. Il reste lui quand même, mais avec plus de sérénité. Que le meilleur gagne et que ça soit une belle course. Mais c'est vrai que jusqu'au 23, c'est beaucoup de stress.